Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce petit mini format. En attendant la fête de Noël et donc la venue de Jésus le prophète. Alors, aujourd'hui, eh ben non, ce sera pas une petite lecture. J'ai envie de vous tirer un petit oracle. Vous allez donc mentalement penser à vos petites questions et on va tirer ta numéro 1. Ta numéro 2, ta numéro 3, et c'est parti. Alors, tac, je coupe. Oh, ce sera une surprise tous les jours, hein? Pas toujours pareil, hein? Une petite lecture, une petite carte, un petit oracle. Quelque chose qui nous fait patienter. Et ça s'appelle comment, ce genre de petit calendrier? On y va. Ta numéro 1, ta numéro 2. Ta numéro 3, vous choisissez, je vous lis la carte, je vous la montre tout de suite. Prenez 5 minutes, respirez, et j'ai choisi l'oracle de la vie en rose. Cécile Mendous, que nous dit la jolie carte? Regardez. C'est pas magnifique ta numéro 1, mais je fais pas tout dans l'ordre, vous allez voir. Les 4 accords toltèques. Désolée, pardon, merci, je t'aime. Soyez irréprochable dans votre comportement avec les autres pour avancer sereinement. Ne perdez pas votre temps en futilité. Votre essentiel, c'est vous. Ta numéro 2, tadam! Alors, Luna! La détermination joue un rôle clé dans votre évolution. Ne lâchez rien. Tout s'agence pour vous. Elle est jolie, hein? Alors, ta numéro 3. Ta numéro 3. Élixir de vie. Telle une potion magique, vous êtes invincible. Vous êtes là où on ne vous attend pas. Bravo! Voilà mes amis d'ici ou d'ailleurs, surveillez bien la petite vidéo de demain. Namasté!